Daniel et je travaille sur le marché de la Côte d'Ivoire. Bon, je suis venu blancher, acheter quelque part. Il y a eu mon neveu qui était de la boulangerie, donc il y a eu mon neveu qui dit « Ah, je vais rentrer de la boulangerie. » Bon, il m'a dit qu'il faut aller, donc je suis parti. Je suis rentré dans la boulangerie comme apprentissage. Voilà. Donc après l'apprentissage, je suis devenu titulaire de la boulangerie. Je préfère le pain parce que tout le monde consomme le pain. Et moi, c'est le fou. Bah, sans le fou, on ne peut pas cuire le pain. Je suis allé à la mission, une boulangerie. Je suis arrivé là-bas, il voulait travailler les pétrissiers. Le pétrissier m'a dit si il touche son pétrin, lui il travaille plus. Bon. Je suis allé voir le propriétaire de la boulangerie pour dire ah, je voulais travailler ton pétrissier. C'est toi qui m'as fait venir. Je suis venu travailler à ton pétrissier, mais ton pétrissier refuse qu'il travaille avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Il m'a dit il n'y a pas de problème, que la boulangerie c'est pour moi. S'il ne travaille pas, il n'y a pas de bon don. Je suis parti, il a cassé la glace, il a travaillé jusqu'à matin. Le matin, le gars, il vient, il voit que tout le travail était bien fait jusqu'à matin. Il vient, c'est maintenant, il me demande pardon. Il dit vraiment pardon, pardon. Quand il demande pardon, bon, il ne sait pas que c'était comme ça. Il dit non, moi, je suis venu t'aider. Je ne suis pas venu prendre ta place, je suis venu t'aider pour que toi, si tu avances comme l'amener moi, je suis. Donc, ça sert que ça y suivait. Donc moi je suis pas fâché. Parce que demain moi je quitte ici, je te laisse ici. Moi j'ai un conseil pour les boulangers comme la pâtisserie. Faut bien peser les ingrédients, avant de faire la pâte. Voilà. Sans ça, tu ne peux pas. Parfois la balance, pouvoir peser les ingrédients. Thank you.